Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la participation de Myriam D du 95 à mon concours. Donc je l'ai ouvert, hein, j'ai déjà un petit peu découvert. Donc nous allons, je vais vous le présenter, je vais tout sortir. Voilà. Donc déjà, je vais la noter sur mon petit carnet. Donc Myriam D, je vais mettre 95 pour dire qu'il y en aurait d'autres. Donc, et ça sera la numéro 5. Voilà, numéro 5. Donc, je plie comme d'habitude les petites choses comme ceci. Comme ceci. Comme vous savez, il y aura 5 gagnantes et la première aura déjà ce petit secrétaire, ce mini secrétaire ou un autre mini secrétaire selon ses goûts. Hein. Secrétaire, vous voyez, avec des petites choses faites maison, les calepins, les tags, le petit stylo. Donc voilà, ça sera un des lots pour la première. Il y aura des lots aussi pour les deux autres. Hein. Il y aura trois gagnant en tout. Donc voilà. Donc nous allons ouvrir le courrier. Voilà. C'est une carte très simple, mais très chic. Moi, je trouve que ça fait très chic. Hein. Il suffit, vous savez, des fois, il suffit pas de grand-chose pour faire une jolie carte. Donc là, il y a deux petites bandes, une bande vieux par ou violette, une autre bande. Finalement, ça, avec des restes de papier, vous voyez, ça peut faire une jolie carte. Bon, je lis un petit peu ce qu'elle m'a mis. Donc, elle met que c'est sa participation au concours et puis elle me souhaite une bonne année. Jolie petite carte. Merci pour la carte. Nous avons ensuite, je pense que ça, on va l'ouvrir, vous voyez, avec un fond craft, du papier bleu, un petit napperon, jolie découpe. Et ensuite, je pense que c'est un mini-album, vous voyez, hop, mini-album avec une pochette au milieu avec un tag. Voilà, moi, je trouve ça assez sympa. Ouais, ça peut faire un mini-album. Donc, je m'en servirai certainement pour mettre des photos de mes enfants ou de mes petits-enfants. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout simple, mais c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup avec un petit ruban blanc. Voilà. Donc, on va refermer. Voilà. Ça, c'est. Et ensuite. Ici, je pense que c'est pour mettre un crayon. Hein. Ça dépend de la grosseur du crayon, parce que là, celui-là, je ne peux pas le mettre. Mais c'est pour poser un crayon. Et c'est un, vous voyez, un petit bloc-notes. Très sympathique. Moi, j'aime bien les petits bloc-notes. Moi, je suis assez bloc-notes. Hein. J'aime beaucoup. Donc, ça, il me servira pour les prochains concours ou pour mettre des choses personnelles. Donc, voilà. C'est un joli petit bloc-notes. Voilà. Eh bien, je remercie Myriam pour sa participation. Donc, pour ce concours se terminera au 15 février. Éventuellement, je le prolongerai si il y a des personnes qui me disent qu'ils m'ont envoyé un courrier que je ne l'ai pas reçu. Mais théoriquement, le tirage se fera le 15 au soir. Donc, voilà pour ça. Donc, j'attends encore des participations et j'espère que vous n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas, il n'y a pas de thème précis et il y a aussi un défi que vous me lancerez. Et ça, elle me l'a pas mis sur son courrier, le défi qu'elle me lancera si elle est la première gagnante, hein, seulement la première, les deux autres, je ne leur ferai pas le défi. Hein. Mais la première gagnante aura droit au défi qu'elle m'aura lancé. Donc n'hésitez pas, bien sûr, il faut que le défi soit dans la limite du raisonnable.
et que je n'ai pas à acheter des choses spécifiques pour le faire. Sinon, il n'y a aucun problème, je le ferai avec plaisir. Donc, on se dit pour la fin, c'est le 15 février. Bon, bah, j'attends vos courriers, vos participations. Merci de m'avoir regardé. Bisous tout le monde. Au revoir.